Madame, c'est bonsoir, bienvenue dans sa zonale Bantit. Certains disent petit à l'avantage de la situation à ban fin politique, ban fait qui fait produit dans le pays planifié depuis un certain temps, ce qui pravine Jognot Indir, Premier ministre Demanaman Mauricien, a passé à la paix, police pour veiller à assurer sécurité toute la population. Premier ministre fin rend une visite à un constable qui grièvement blessé pendant un incident. Pravin Jognot fin exprime sa solidarité à constable et à l'ensemble la force policière. En sa dimanche après ban tension dans certaines régions au pays, calme et bon sens fin prévaloir fin la reprise des ban activités un peu partout. L'industrie l'hôtellerie pour accueillir bientôt une nouvelle venue, c'est construction Lagoon Gardens qui peut démarrer à la fin de l'année avec ban investissement 95 millions de dollars plus que 4 milliards roupies. Et des aux élections présidentielles dans la France, Le Pen et Macron pin déjà voté. Dès son arrivée dans l'aéroport Plaisance à 7h30 grand matin depuis l'Inde, Premier ministre fin faire une déclaration concernant un récent incident dans Maurice. Pravin Jugnot fin déclarer que certains dimoun tient l'avantage de la situation à ban fin politique, ban fait qui fin produit dans le pays, fin planifié depuis un certain temps, ce qui Pravin Jugnot indire. Premier ministre fin ajouter que certains politiciens incitent un peu dimoun à agir façon antidémocratique. La police n'a pas pour tolérer aucun dérapage, ce qui chef gouvernement fin dire une réunion au travail avec commissaire de police Anil Koumandip dès son arrivée dans Maurice. Premier ministre Demanaman Mauricien n'a pas cédé à la paix, la police pour veiller à assurer la sécurité toute la population. Écoute Premier ministre Pravin Jugnot dans micro Kavin Tapisson Loban Zimaz Sailesh Bichmohan. Comme on apprend qu'il y a 16 officiers de la police qui sont blessés au cours de ce incident qui finit dans différentes parties du pays. Admette dans l'hôpital Moka depuis samedi grand matin, constable Jimmy Baptiste a remettre lentement de ce blessé. Sa officier CID Terouzla fin bien blessé dans ce lisier droite quand ban projectile fin lancé l'auto la police dans Bois Marchand vendredi. Alors, dès l'arrivée dans l'aéroport Plaisance, 7h30, grand matin, depuis l'Inde, Premier ministre fait une déclaration concernant un récent incident dans Maurice. Pravin Jugnot fin déclaré que certains dimoun pétit à l'avantage de la situation à ban fin politique, ban fait qui fin produire dans le pays, fin planifié depuis un certain temps. Ce qui Pravin Jugnot indire, Premier ministre fin ajouter que certains politiciens incitent un peu dimoun à agir de façon antidémocratique. La police n'a pas pour tolérer aucun dérapage, ce qui chef gouvernement fin dire. Les Finéna, une réunion travail avec commissaire de police Anil Koumandip depuis sous l'arrivée dans Maurice. Premier ministre Demanaman Mauricien n'a pas cédé à la paix, à la police pour veiller à assurer la sécurité de toute la population. Nous proposons la déclaration. Premier ministre Pravin Jugnot, au micro Kavin Tapisor, Igman Zimaz, Sailesh Bichmohan. Je veux dire, je finis toujours privilégier le dialogue. Et Moufine Touzou est à l'écoute de tous les partenaires de différents secteurs de l'économie et surtout les partenaires du social. Et nous finissons toujours très attentifs, surtout les doléances qui finissent. Et mon gouvernement, dans la mesure du possible, finit toujours agir pour essayer de faire tout ce qui nous capable pour qu'il nous continue à améliorer la qualité de la vie de la population. Dimoun kon mo ban l'engagement qui mon toujours prend parce que
depuis qu'il est dans le gouvernement, depuis 2014, jusqu'à ce jour, combien d'actions qui nous a menées, combien de mesures qui nous finissent prendre, les témoignent de combien quelque chose qui nous fait, non seulement pour la population en général, mais surtout pour les gens qui sont les plus vulnérables. Mais seulement, vous pouvez dire, nous pouvons vivre une période que depuis 2 ans, nous trouvons qu'une manière la pandémie fin affecter la production de bonnes commodités et ça finit un impact, bien sûr, le prix, le coût de la vie. Et ça peut empirer avec la guerre qui fin déclarée en Ukraine. Et nous pouvons trouver là encore qu'une manière et encore plus problème la production de bonnes commodités de base même. Et qu'une manière, donc, le monde peut connaître une situation inflationniste sans précédent. Donc, mon gouvernement, nous peut toujours agir, comme on dit, nous toujours à l'écoute, nous toujours privilégier le dialogue, et seulement les besoins basés, bien sûr, les faits, les besoins basés, la réalité. Et mon gouvernement, en tout cas, pour continuer à agir et d'une façon que, surtout, nous donnons l'attention particulière à ben des gens qui sont plus vulnérables et, dans la mesure du possible, d'après les moyens, d'après la possibilité qui nous capable, donc, nous pouvons continuer à agir dans cette direction-là. Je veux dire aussi que mon fini déjà gagné certaines bonnes rencontres. Et bien sûr, nous continuons. Et mon gouvernement, là, actuellement, il y a combien de rencontres qui peuvent avoir lieu avec différents partenaires de nos secteurs socio-économiques. Donc, la situation est telle que malheureusement, il y a certains démons qui prennent l'avantage de sa situation difficile-là à des fins politiques pour faire un désordre. Et laisse-moi dire un mot. Quand même, là, ça va être des autres, là. Connaissant l'incident qui finit dans le lieu, là, clairement, tu as bien préparé ça. Tu as préparé depuis un certain temps. Nous connaissons aussi qu'il y a certains politiciens qui, derrière, ça va être des autres, là. Puis aller, puis instiguer du monde pour aller, pour exprimer ça d'une façon qui m'ont considéré antidémocratique, qui peut contre la loi. Et d'ailleurs, si tout bon vrai patriote, moi aussi, je suis capable de ziser de sa manière qui, ça va un groupe du monde là, finazir. En tout cas, mon responsabilité comme un premier ministre et mon gouvernement, nous pouvons veiller à ce qui nous protège tous les enfants, tous les madames, tous les personnes âgées et tous les Mauriciens en général, pour qu'ils aient la sécurité dans le pays. Pour qui, quand vous sortez une place par l'autre place, vous avez besoin de faire aller en toute sécurité, il ne faut pas vous perdre. Et moi, je ne peux pas tolérer aucun dérapage, aucun ou groupe de monde qui se peut servir la violence et surtout qui peut aller contre la loi. En tout cas, la police est un soutien total pour qu'ils aient agir pour capable maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Zis, après ce retour dans le pays, grand matin, premier ministre final dans Subramania Bharati High Hospital dans Moka pour rendre une visite à constable Jimmy Baptiste qui est grièvement blessé pendant un incident qui finit dans Bois Marchand dans la nuit. Vendredi à samedi, il est blessé dans ce lisier droit et il finit bien fait une opération. Pravin Jagnot fin exprime sa solidarité à constable Baptiste et à l'ensemble de la force policière. Chef gouvernement fin aussi rappelé qui toute la population et que ben partenaires socio-économiques bisent contribuer à maintenir l'ordre et la paix. Ben détail avec Migan Punapanaken. Admette dans l'hôpital Moka depuis samedi grand matin, constable Jimmy Baptiste périmètre lentement de ce ban blessé. Sa officier CIA édité Rousla fin bien blessé dans ce lisier droite quand ban projectile fin lancé le de la police dans Bois Marchand vendredi. Je fais le travail le soir, on gagne la quête depuis Opsum Piton.
était option pour nos zones. Et nous, on avait un incident qui est arrivé à Bois-Manson. Nous, on est allé, c'est dans plusieurs équipes. Nous rentrons le chemin pour. Apparemment, il y a un véhicule qui fait accident. Nous rentrons pour aller essayer d'aider cette personne-là. Et là, on nous perdait, on gagne un projectile dans mon véhicule. On gagne une grosse somme aux figures. Des retours dans le pays Zaudi, Premier ministre final à l'hôpital Moka pour prendre nouvelle l'état de la santé constable Jimmy Baptiste et que si est tout pour exprimer ce soutien. Quand 16 officiers de la police qui finent blessés au cours de ce incident qui finit dans différentes parties du pays, venir rendre visite, surtout à constable Baptiste, qui lui finit malheureusement subir. Beaucoup plus de dégâts en termes de la santé par rapport à Manros qu'ils ont envoyé ce véhicule. Et donc, il est affecté à ce lisier. Et donc là, il fait l'opération, il peut suivre le traitement et il peut suivre un traitement pendant un peu de temps. Et je visite ici non seulement pour exprimer ma solidarité et certainement, moi, très concerné, mais à travers lui aussi tous les autres membres de la force policière, parce qu'il y a un officier qui est là pour maintenir l'ordre et la paix dans le pays. Nous connaissons qu'ils ont fait un travail qui est difficile et il y a un risque aussi dans notre travail. Mais je veux dire franchement, je ne suis pas certain qu'il y a certains qui mettent des ordres et qui sont contre la loi. Et qui fait une action pareille ou attaque un policier. Chef du gouvernement finit aussi cause l'eau maintient l'eau en ordre. Je réencore une fois condamne sa manière d'agir de la part de certaines personnes. Et comme on me dit, nous connaît monté, incité par certains politiciens. Et ça m'a dit, là, je déclare, je suis démocrate. Mais de quelle manière je interprète la démocratie, de quelle manière ils se comportent d'une façon qui est vraiment répréhensible. Et c'est Saman Djimoun Lahem qui peut prétendre demain pour diriger ce pays-là. Alors, vous imaginez votre mentalité, votre latitude, votre manière de faire, votre comportement. Je laisse Djimoun, bien sûr, je laisse la population ziser. Mais en tout cas, je souhaite que Saman Djimoun là je retourne à la raison. Et surtout, qui, pas seulement l'autorité, le gouvernement, la population aussi a un rôle pour jouer. Tout bonne composante de la population, tous les partenaires, qui sont côté économique et social, ont un rôle pour jouer, pour nous contribuer à garder l'ordre et la paix dans le pays. Parce qu'ils m'ont toujours dit, sans l'ordre et la paix, mais ils pour mettre en péril tout quelque chose qui nous est capable de faire pour amener progrès, développement, pour nous avancer plus vivant. Alors, on souhaitait que ce monde-là réalise les erreurs qu'ils ont fait, surtout contre la loi. En tout cas, tout le monde qui n'a contre la loi, pour une enquête qu'il peut faire. Et bien sûr, le monde qui nous trouvait, qui suspectait qu'il commettait une offense, mais pour bien prendre en action et traduire à autres, comme on est un pays de droit, autres besoin d'être traduits devant la justice. Quant à constable Baptiste, il peut bien attendre au moins un mois pour répondre aux bonnes fonctions. On va pouvoir s'arrêter, on va pouvoir continuer. Donc, on encourage, nous pourrions venir, nous pourrions un peu plus fort encore.
En sa dimanche, après certaines tensions ressenties dans certaines régions pays fin remorque un retour à la normale à Zodi, ben la route est à nouveau praticable, ben automobiliste et que ben transport en commun se peut opérer normalement et que ben commerce fin réouvert sur la porte, l'occasion pour ben Mauricien sortir et profiter surtout d'une belle journée dans famille en sa dimanche là où je te fin aussi à faire ben commission pour la semaine à venir, ben détail avec Adrien Valère. Après ben incident notamment dans Rochebois, quand le vieux ou encore à Saint-Croix, situation fin retourne au calme. C'est une ben activité qui t'y stoppe et reprend. Commerce fin réouvert sur ben la pote, et que ben automobiliste et que ben transport en commun, pessia qu'il est librement l'urban de la route. Pauline Zemauvent, responsable mouvement pour le progrès de Rochebois, sa ben tension là fin fait pisse d'image qui dit bien dans le pays. Si à tout après ban période difficile et que certains ban projets sociaux finent pas en rétort. L'INSEMO vendit qu'il est satisfait, retour à la normale. On a 80 jeunes qui sont impliqués dans un projet qui appelle Jeunesse Connectée, ban jeunes dans l'endroit, qui sont prévus pour faire une activité hier, nous disons pour envoyer. Heureusement, nous résumons nous que la situation retourne à la normale, qu'il y a des gens capables de travailler, capables de travailler, lundi, des gens pour le travail, pour c'est qu'il y a pour le faire sur le commerce, pour le faire sur le commerce. Mathieu Azo, depuis l'ONG Colombe, finit et a un message de paix pour le jeune Mauricien. D'après sa travailleuse sociale, le progrès et que l'avancement pays important, c'est à cause de ça que le Mauricien bizarre reste uni et que n'a pas les autres influencés par la propagande politique violente. Tout politicien qui finit venir, qui se finit faire, se finit continuer de dire c'est ça, conséquence, prix augmenté, c'est ça. Puis on finit appel à l'autre. Dans le moment Covid, là, l'économie finit baisser, alors que l'économie peut reprendre doucement, doucement, crase partout dans nos quartiers, n'a pas pour sens d'en y. Alors, en tant que travailleur de terrain dans Rosebois, on peut lancer un appel, la société peut reprendre les choses. Dans sa bande différentes régions, là, constat, c'est que naturellement, coût normal, la vie peut reprendre graduellement. Dans le titre, nous avons dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui peut présenter dans le secteur l'hôtel mauricien qui est fortement impacté par crise sanitaire. L'industrie va accueillir bientôt un nouveau hôtel. C'est la construction Lagoon Gardens qui peut démarrer à la fin de l'année-là. Ça, l'hôtel 5 étoiles, là, il y a un projet promoteur africain-italien. Il nécessite un investissement 95 millions de dollars, soit plus que 4 milliards de roupies. Établissement l'hôtel là, pour situer dans la côte ouest du pays, plus précisément dans la région Mône, et que Pouena a une centaine à la SAM dans sa lutte là. Sylvana Parimamon de Nuban Détail. Lagoon Gordon lit en vivine un complexe hôtelier haut de gamme. Sa établissement 5 étoiles là, lit pour une 119 la SAM, parmi une trentaine de villas, et aussi trois restaurants, un wellness center et un centre de conférence. Ses sociétés Barrows Hotel Enterprises, qui responsable lève un fonds pour sa projet là, parmi son réseau institutionnel et bancaire. Lagoon Gardens offre une unique opportunité d'investir dans une des plus spéciales locations du monde, Mauritius. L'IGR 10 000 la Sam l'hôtel dans plus que 10 pays. L'hôtel là pour trouver la côte ouest Maurice, l'établissement hôtelier là pour construire loin terrain 18 hectares. Ban promoteur affirmé qui fin obtenir tout ban permis nécessaire, y compris ban permis l'environnement. Lagoon Gardens Mauritius pour situer loin terrain 18 hectares. L'Ipouen, l'hôtel de luxe, un établissement 5 étoiles. Nous finissons des agents et tout nous avons permis regrouper sous l'Environment Impact Assessment. Pour ban promoter Lagoon Gardens, c'est une opportunité unique, accède à continent africain et établir dans un environnement moderne et unique, accès au tourisme et business. Une bonne raison qui fin pousse compagnie Atalian choisir Maurice pour sa développement hôtelier là, c'est taux élevé occupation dans man l'hôtel mauricien, ça donne à investisseur là une sécurité rendement le capital investi. Vous retrouvez pour la suite à zone là après sa passe publicité. Bonne nuit,
nous avons lire. Mais tu faisais d'accord, bien l'esprit qui begine moi là. Bébé. Moi, Rasja. Bébé. Qui t'a gagné? Elle la lumière pour rentrer dans moi. Bébé, qui t'a gagné, mon garçon? Quête la drogue qu'on m'a détruit à la famille, détruit à l'espoir, détruit à l'avenir, la vie. Pour qu'il te pas vienne une victime, pas laisse-toi vienne une cible. La drogue, tu y es. Banzen, bizin dit non, c'est non. La drogue, ça met. Cause avec nous. Appelle-nous le 810-22. Retour dans sa zone à la Nukos. Ban élection dans la France. Environ 49 millions Français inscrits au ban la liste électorale. Zot final voté à Zodi pour décider qui s'en a pour prochain président de la République française. Second tour, l'élection présidentielle PFA Zodi. Et comme un premier tour, finit dans un dispositif important dans Maurice Poissier. Bon déroulement, l'exercice vote là pour ban français. Et nous l'équipe qui dans lycée des Mascarins dans Moka à Zodi. Élection la France, toujours au duel entre candidate Rassemblement national Marine Le Pen et président sortant et candidat à la République En Marche Emmanuel Macron. Participation à second tour l'établira à 26,41% à midi, en hausse un point par rapport à premier tour. Nouvelle étant, Stella dans Maurice, anticyclone peut maintenir banalisé modéré, relativement froid, l'on nous résume, payonnias, assoir, et qu'averse pas saser, averse pour fréquent, l'on plateau, et versant est exide, pour une brouillard qui aussi prévoit, l'on ban hauteur, température minimale variant 17 et 20 degrés, l'on plateau, et quand 20 et 24 degrés, l'on résume la côte. Pour une payonnias, accompagné ban averse, qui prévoit demain, l'on ban hauteur, pour une aussi brouillard qui peut persister dans certains l'endroit. Pour un peu percer soleil dans l'après-midi, le littoral et Portino et l'ouest de l'île. Température maximale pour inférieure à la moyenne par environ 10 degrés avec 23 à 25 degrés au plateau et 27 à 29 degrés au littoral. Divan sud-est de 20 à 30 km par heure avec ban rafale qui peut atteindre 60 km par heure. La mer pour fort de la ban récif avec ban vague, l'eau 2,50 m sortie en haute mer, je déconseille. Marée pour haute demain, ils ont dit plutôt 22h43 et demain 10h18, marée pour basse demain 4h59 et 16h35, soleil pour lever demain 6h24, coucher soleil demain 17h51. Ça, on a la fin ici. Madame Issé, merci pour l'attention. Bonsoir.